Ok. Ouais. Je vais voir là, manger le fondre. Les Allemands avaient pratiquement la même, la MG08, et les Anglais aussi avaient pratiquement la même aussi. Alors elle fonctionne à gaz celle-là. À gaz. Ouais, ouais. C'est pour ça, c'est ce qui donne les détonations, c'est avec une bouteille de gaz qui est le caisson qui est là. Ouais. C'est ça. Voilà. Ça permet de faire du tir à blanc sans tirer à blanc. Mais ça aussi, c'est ça. L'origine aussi, ça. Bonjour, donc on va vous faire visiter rapidement une tranchée reconstituée un petit peu comme on aurait pu la trouver en 14-18. Donc évidemment tout a été compacté, hein. À l'époque les choses étaient plus espacées. Là sur le premier poste vous avez pu voir une mitrailleuse russe Maxim. Alors la mitrailleuse allemande MG08 était quasiment identique, voilà, et les Britanniques avaient une mitrailleuse qui était aussi très similaire. Alors si vous avez un gros manchon devant sur le canon, c'est pour le refroidissement par eau. Voilà, on remplit le manchon d'eau et avec l'évaporation ça refroidit le tube. Le modèle de mitrailleuse que vous avez ici, c'est un modèle français, mitrailleuse Hotchkiss, qui elle par contre est à refroidissement par air, c'est pour ça que vous avez les grosses ailettes devant. Merci le vent.
Oui. Voilà. Et c'est des mitrailleuses qui tirent aux environs de 400 à 500 coups par minute. Voilà. C'était des armes qui étaient précises, mais encombrantes, donc elles étaient utilisées sur des postes aménagés de ce type-là. Voilà. Et elles servaient à battre le terrain et à empêcher l'ennemi de traverser le No Man's Land qui se trouve devant nous, qui était la zone entre deux tranchées et qui était généralement recouverte de barbelés pour entraver les assauts ennemis. Alors justement, les barbelés en question, on avait ce type de matériel-là pour les couper. Alors généralement, ils étaient coupés avant l'assaut, pendant la nuit, pour pouvoir créer des passages. Ou alors on espérait que l'artillerie les détruirait. On espérait. Hop, si je vous permettez. Là, vous avez les échelles hein, donc, qui servent à monter. C'est de la fabrication maison, mais à l'époque aussi. Donc voilà. C'est de l'artisanal. Bonjour. Je vous en prie, avancez. Hein. Ouais. Bon, je m'en vais, je vais laisser place aux... Non, désolé, il y a peu d'espace. Mais moi, je passe par là, je vous laisse passer. Étroite. Bonjour. 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 Donc, à intervalles réguliers dans les tranchées, vous aviez des abris qui étaient creusés. Alors, dans la réalité, c'était creusé sous terre. Mais là, pour des questions de facilité, on n'a pas pu le faire. Donc c'était des abris qui servaient à la fois de zone de dortoir, de réfectoire, qui servaient aussi de poste de commandement, d'atelier, etc. Donc les images qu'on voit dans les films avec tous les hommes alignés dans la tranchée à attendre, c'est pas la réalité. Dans la réalité, il y avait des tours qui se faisaient, avec des hommes qui étaient à la tranchée en train de monter la garde, d'autres qui étaient au repos, d'autres qui étaient en train de travailler. Et on se relayait au fur et à mesure comme ça. Tout simplement parce qu'il aurait été impossible que des hommes passent 15 jours debout sous la pluie. Voilà. Donc la vie était réglée de cette manière-là. Un peu comme la vie est réglée sur un bateau d'ailleurs. Ça fonctionnait par quart. Dans le poste de commandement que vous avez ici, je vous demande de vous approcher un petit peu. C'est là qu'on trouvait les officiers. Bon là en l'occurrence les officiers ont été remplacés par deux gendarmes. Donc arrêter les mauvais garçons et les punir. Ensuite interroger les prisonniers de guerre. Et Helmut hein, qui a eu le malheur d'être prisonnier. Donc le gendarme menait l'interrogatoire, donnait les rapports, ensuite il s'occupait de régler tout ce qui était circulation, enfin tout ce qui était un travail de gendarme, mais au front. Donc les gendarmes par contre se trouvaient jamais en première ligne, ils se retrouvaient en deuxième ou en troisième ligne, évidemment, parce que devant ils n'auraient servi à rien. Voilà. Donc quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, on l'amenait au gendarme derrière, ou il venait le chercher, ce qui est pire. Voilà. Et ensuite, vous trouvez tout le matériel nécessaire pour rédiger des rapports avec des formulaires d'état des réserves, des formulaires de demande de matériel, malheureusement des formulaires de rapport de perte. Voilà. Vous y trouvez également un téléphone. Voilà. Il suffit de le décrocher, de tourner la manivelle. Ça sonne sur le poste en face et on obtient quelqu'un. Alors évidemment, c'est un poste pour un poste. On met directement sur le poste de commandement qui se trouve un peu plus loin. Voilà. Et après, tous les tampons officiels nécessaires, un petit peu d'outils de confort. Donc, notamment, là, vous avez un poêle à bois, voilà, qui servait à réchauffer les abris, avec le tuyau qui partait sous terre et qui ressortait plus loin, parce qu'il ne fallait pas que le tuyau soit à la verticale de l'abri pour qu'on ne sache pas où il est. Et après, il y a les coussages, donc vous verrez en passant, c'est une simple paillasse. Voilà, on a dormi là cette nuit, c'est relativement confortable. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça protège bien du froid et de l'humidité. Le seul défaut de les paillasses, c'est que ben, les poux et les puces s'y installent aussi. Voilà, donc il fallait régulièrement changer la paille, etc. Et puis ben, c'est pouillé, hein, on revenait à des choses très primitives. Voilà. Évidemment, hein, comme un poste de commandement, c'est un bâtiment officiel de la République, et ben, on trouve le portrait du président Poincaré. C'est réglementaire. Voilà. Messieurs les gendarmes, Helmut. Vous verrez ça en passant. Non, on n'est pas au Moyen-Âge. Ouais. On pouvait trouver ça dans les tranchées. Oui. Alors ça pouvait servir pour le combat au corps à corps. Les hommes se bricolaient des armes de corps à corps, des masses à clous, etc. Concrètement, ils s'en servaient très très peu. Quand on devait nettoyer une tranchée et demie, c'était à la grenade que ça se faisait, pas à coup de matraque ou à coup de couteau. Voilà. Mais ça permettait de se rassurer, d'avoir de quoi se défendre en cas de besoin. Là on va arriver sur un atelier avant, hein, voilà, on a notre ami le rongeur. Les tranchées pullulaient de rats parce qu'ils y trouvaient de quoi se nourrir, soit en volant de la nourriture, soit en se nourrissant de cadavres. Donc les soldats les détestaient, les rats, parce qu'ils étaient agressifs, ils salissaient la nourriture, ils souillaient les réserves et ils mangeaient leurs collègues.
qui était mort au combat. Donc une des corvées en tranchée, c'était de faire la chasse aux rats. Et il y avait des récompenses, hein, selon le nombre de rats capturés, qui étaient attribués aux soldats. Voilà, donc c'était une partie du quotidien aussi, c'était de chasser le rongeur. Là, on arrive sur un atelier de cordonnerie. Alors, c'est important à l'époque. Dans les tranchées, il y avait plusieurs ateliers de différents corps de métier. Le cordonnier était important parce que, vous le voyez sur moi, beaucoup des faits étaient en cuir. Dans les conditions d'humidité d'une tranchée, le cuir se dégrade assez rapidement, donc il faut pouvoir réparer les effets personnels ou, plus important, les chaussures. Voilà, parce que se retrouver sans semelle au milieu d'une tranchée, c'était pas la bonne idée. Donc le cordonnier était là pour pouvoir faire ce travail-là, réparer les chaussures, remettre des clous, remettre des semelles, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Hop, voilà, ça ressemble à ça. C'est plus confortable que ça en a l'air, mais bon. Voilà. Donc il dispose de tout le matériel nécessaire pour reconstruire une semelle de A à Z. Il découpe son cuir, il lui donne la forme nécessaire et ainsi de suite. Et pourquoi autant de cuir ? Autant de clous ? Pour éviter l'usure. Alors c'était variable. On voit beaucoup de photographies avec des brodequins d'époque où il y a plus de clous sur un pied que sur l'autre. Si on avait un défaut de marche par exemple, mais du coup le fait d'avoir plus de clous limitait l'usure de la semelle. Sur le brodequin que vous avez là, le talon est anormalement trop clouté. C'était probablement quelqu'un qui marchait un peu sur l'arrière. Donc comme il remarquait qu'il usait beaucoup ses talons, bah, il demandait plus de clous. Voilà. Ou s'il marchait un peu sur l'extérieur, il demandait plus de clous là. Voilà. Donc le cordonnier aussi avait ce rôle-là de rendre la chaussure plus confortable et individuelle. Enfin, confortable, tout est relatif, mais voilà. Oui, c'est pas simple, hein. Vous voyez ici aussi tout ce qu'on trouve de l'artisanat tranché. C'est comme je vous le disais, la vie en tranchée est organisée en quarts. Il y avait des quarts de repos, donc de temps libre. Les hommes s'ennuyaient beaucoup, donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils trouvaient des petits objets sur le terrain, ils les modifiaient, ils les travaillaient pour faire des petits souvenirs. Alors soit c'était pour eux-mêmes, voilà, pour avoir un petit peu de confort, bon, ça c'est un briquet par exemple. Soit c'était pour ramener à la famille en permission, donner un petit souvenir à la fiancée, à la mère, à la femme. Soit c'était pour échanger avec leurs camarades de tranchée. Voilà, moi je sais faire des choses de mes mains, bon ben je te fais un joli coup de papier, et en échange tu me donnes 3 paquets de tabac. Voilà, ou alors tu me donnes un casque allemand. Et on pouvait marchander comme ça, c'était une économie parallèle qui fonctionnait bien. Et aussi, même s'ils n'aimaient pas tellement le faire, ils pouvaient, quand ils étaient en permission, vendre des objets de tranchée à des civils à l'arrière, qui étaient très friands de ce genre de petits souvenirs, puisque ça faisait hype, c'était classe. Donc du coup, ça permettait aux soldats d'avoir un petit peu d'argent, d'améliorer l'ordinaire, etc. Donc vous verrez, il y a plein d'objets qui sont certains très beaux. Notamment, il y a un briquet ici, je pense, qui a été fait par quelqu'un qui devait être artisan dans la vie de tous les jours, parce que, voilà, c'est du très très beau travail. Donc ça, c'est quelque chose qui pouvait éventuellement monnayer avec un camarade, parce que c'est quand même une belle pièce, voilà, ou qui aurait fait un beau souvenir. Et alors, bon, il faut quand même se mettre dans le contexte de l'époque. Les gens étaient essentiellement des artisans, des paysans, des ouvriers, donc des gens qui travaillaient de leurs mains. Donc c'était des choses qu'ils savaient faire, voilà. Réparer leur matériel, fabriquer des petits objets, voilà. C'était quelque chose dont ils avaient l'habitude. Ça se ferme, ça se... C'est fonctionnel en plus, voilà, c'est ça qui est pratique. Il y aurait mieux en passant devant, qui sert à signaler les alertes au gaz. Donc quand on l'actionne, ça fait un bruit très reconnaissable et désagréable. Les hommes savent qu'il y a une alerte au gaz, par exemple. Et ils peuvent s'équiper de leur équipement de protection, voilà. Sachant que les gaz de combat avaient plus un intérêt psychologique que militaire. Les gaz ont, entre guillemets, fait relativement peu de pertes, moins de 5%. Ce qui est quand même énorme, mais relativement peu. L'objectif, c'était de terroriser l'adversaire, de l'obliger à abandonner sa tranchée, ou de l'obliger à revêtir ses équipements anti-gaz qui étaient inconfortables et qui l'empêchaient de combattre normalement. Voilà. C'est surtout l'intérêt de l'attaque au gaz. Pour tuer, il y avait des explosifs. C'était plus efficace. Et dernier petit objet qui est assez amusant, là vous avez une gourde allemande, certainement récupérée sur le terrain et qui a été bricolée pour faire certainement un petit truc pour distribuer de l'eau de vie. Autant je vends de l'utile et l'agréable. Je vous en prie. Alors faites attention à la tête parce que le tunnel a été fait à peu près aux dimensions de l'époque et ils étaient petits. Alors juste derrière mon camarade avec sa peau de mouton, vous avez un bouclier de tranchée. Donc il va vous montrer dans comment on s'en sert. Voilà, c'était quelque chose qui était fabriqué en atelier, et donc ça permettait d'être sur le parapet de la tranchée, de pouvoir ouvrir le feu sur l'ennemi avec une bonne protection. Voilà. Donc à ce genre de poste, on y mettait les tireurs de précision, ceux qui avaient un bon coup de fusil, et leur tâche était d'éliminer toutes les cibles importantes en face, si possible les officiers, les téléphonistes, les hommes qui partaient faire des corvées, ou les estafettes. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez les estafettes, hein? Alors c'est un porteur de courrier.
D'accord. Voilà, c'est le gars qui court vite dans la section et qu'on charge d'un message pour l'arrière. Aujourd'hui, Wagmestra. Sans doute. C'est très comparable, les deux sont comparables. Ouais. Mais Estafette, c'est plus le facteur de la compagnie, en fait. D'accord. C'était les police sniper. Entre autres, oui, ouais. C'est ça. Là, vous avez deux camarades devant lesquels vous allez passer, légionnaires, ouais. Qui ont des uniformes un petit peu différents, avec un kaki un peu moutarde. Donc ça, c'est les troupes coloniales. On a un légionnaire et on a un repris de justesse. Voilà, bataillon légère d'infanterie d'Afrique. Donc ça, c'était les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, pardon. Ça, c'était les bataillons disciplinaires dans l'armée française. Voilà, c'était les mauvais garçons dont on ne savait pas quoi faire à l'armée, qu'on envoyait en Afrique. Au Maroc généralement, arrête-moi si je me trompe, pour pacifier la frontière et puis leur apprendre un petit peu à revenir dans le droit chemin. Voilà. C'est des hommes qui ont eu la possibilité en 14-18 d'aller au combat pour se racheter et qui ont combattu de façon particulièrement brave justement pour racheter leurs crimes. Voilà, donc partout où il fallait attaquer, ils attaquaient et voilà. Et malheureusement, c'est des hommes qui n'ont pas reçu le juste retour des choses, puisque leur régiment et leur bataillon n'ont pas eu le droit de porter les décorations avant les années 50. Ouais. Voilà. Et il faut savoir que le dernier Bila a été dissolu en 1960. Donc c'est quand même encore de l'histoire relativement récente. Voilà. Donc, par contre, c'est un voyou, hein, donc vérifiez vos poches après être passé devant. Okay. Là, vous avez le sac à dos d'infanterie, hein, l'as de carreau, qui est très très bien conçu. Avec un beau renfort en bois pour vous abîmer les vertèbres, voilà. Donc c'est inconfortable, c'est lourd, ça doit se porter très haut parce qu'il ne faut pas se gêner avec les cartouchières. L'armée française à l'époque était une armée piétonne, alors on se déplaçait en train pour les très grands trajets, mais après c'était à pied, donc d'un point à l'autre du front. Une fois qu'ils arrivaient dans la tranchée, évidemment ils se débarrassaient du sac, ils le mettaient dans les abris. Là-dedans, vous avez trouvé tout ce qui est nécessaire, une paire de chaussures de rechange, quelques sous-vêtements, quelques conserves en cas de besoin, une demi-toile de tente, une couverture et de quoi monter le campement. Voilà. Et la gamelle réglementaire, qui est portée bien haut, comme ça, si on freine trop vite, elle cogne contre le casque, c'est sympa. C'est lourd et pas confortable. Demi-toile de tente. Oui, il fallait être deux. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est qu'à deux, on est très serré, et ensuite, si on monte une tente pour quatre, on ne peut dormir qu'à trois. Le quatrième monte la garde. Voilà. Je suis pas sûr que c'était prévu, mais bon. Là, vous avez une lanterne Montjardin, c'était réglementaire aussi. Ça se trouve, on met une bougie de pan et ça fait de la lumière, c'est tout simple. Voilà, une fois plié, ça tient dans un petit étui. Vous verrez ça en passant devant, là. Et ensuite, chaque soldat portait également un outil collectif, donc là, une vache à eau pour aller chercher de l'eau. C'est un simple sac en toile étanche qu'on peut remplir d'une dizaine de litres. Et ensuite, vous verrez sur notre sac, vous allez avoir un bouteillon pour la soupe de la compagnie, de la section. Ou alors, vous allez avoir une bassine. Donc, chaque homme avait un outil qui servait à l'ensemble de la section. Donc, évidemment, quand celui qui portait le bouteillon se faisait tuer, c'était compliqué pour la soupe. C'est un pétrole, là. C'est ça. Alors, c'est un petit réchaud au pétrole, mais pas réglementaire. C'est un effet civil. Vous avez le droit d'acheter ça et de le ramener pour améliorer leur confort. Ah, oui. Soit au foyer du régiment, soit en permission, en magasin civil. Sur du bois, sur des poêles, sur rien. Ça, c'est un bouteillon. Dedans, c'est pour... Merci le cycliste. Eh bien, ils écorcheront pas mon nom la prochaine fois, les gars. Ah, mais. Tu diras à ta marraine. Donc voilà, enfin, ça c'est. En fait, là-dedans, on met la soupe, et avec ça, vous mettez un manche là, et ça peut permettre de faire frire la ration de lard de la section, par exemple, sur un feu. Ouais. Les chaussures. Oui. De qui? Allô? Si tu l'avais rappelé. C'est moi qui suis en train de crever, moi j'ai pas de lettres. C'est bête, hein? C'est bête. T'as une lettre de ma femme. Je
Voilà, c'est... Non, 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 non